Frères et sœurs, vous êtes les bienvenus à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette messe sera célébrée ce matin pour le repos de l'âme de M. Maurice Baudreau. C'est une intention soumise par Mme Lise Baudreau. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu le Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles, lecture du livre des Lévites. Le Seigneur adressa la parole à Moïse sur le mont Sinaï. Vous compterez 7 semaines d'années, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, à la fête du grand pardon, vous ferez retenir la trompette, retentir la trompette pour les acclamations. Ce jour-là, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Vous ferez de cette 50e année une année sainte et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous rentrera dans ses biens, chacun de vous retournera dans sa famille. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles. Vous moissonnerez le grain qui aura poussé tout seul. Vous vendangerez la vigne en broussailles. Le jubilé sera pour vous une année sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous rentrera dans ses biens. Si tu dois vendre ou acheter dans l'intervalle, ne fais aucun tort à ton frère. Celui qui achète tiendra compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix, car la vente se fait d'après le nombre des récoltes. Tu ne feras aucun tort à ton prochain. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Parole du Seigneur. Que les peuples de la terre te proclame Dieu, que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations.
Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, prince de Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Cet homme, c'est bien Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de vivre avec elle. » Hérode cherchait à le mettre à mort, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant tout le monde, et elle plut à Hérode. Aussi s'engagea-t-il par serment à lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donné à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, l'ensevelir et allèrent en informer Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, Jean le Baptiste avait dit au roi Hérode qu'il ne lui était pas permis de vivre avec Hérodiade, la femme de son frère.
Celle-ci entra dans une colère si grande qu'elle finit par avoir la tête de Jean-Baptiste. C'est le moins que l'on puisse dire. L'histoire est remplie de gens qui ont payé très cher, parfois de leur vie même, pour avoir osé dire la vérité à quelqu'un. Cela se produit encore aujourd'hui, malheureusement. Mais si la sagesse populaire dit « toute vérité n'est pas bonne à dire », elle dit aussi avec raison « la vérité n'a pas de prix ». Seigneur, que je ne me serve pas des autres malicieusement pour arriver à mes propres fins. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Plus haut des cieux, bénis.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen.